moyen aussi fabuleux pour l'annoncer au monde entier. Et c'est parti pour un tour. Marie-Amélie, figurez-vous que je viens de comprendre le sens du mot économie. Ce truc-là, là, c'est une économie. Et ça aussi, c'est une économie. Et cette chose, c'est une économie. J'ai compris ça parce que mon père dit toujours... Le thermostat électronique, l'isolation double vitrage, la programmation, ce sont des économies sur notre facture EDF. C'est le moment jamais de lui dire que je changerai bien de voiture. Pour une plus grosse, évidemment. Toute rouge. Et oui, il croit pas qu'il va se les garder pour lui, ses économies. Aujourd'hui, avec le nouveau confort électrique, vous pouvez choisir de dépenser moins. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Paraît que vous n'avez pas encore goûté à la frissonnade. Alors pour vous, le petit déjeuner, c'est du pain, du beurre et toujours la même chose dessus. Eh ben c'est petit, hein. Comme c'est petit, petit. Essayez la frissonnade. C'est nouveau et c'est au rayon frais. Parce que la vie de tous les jours est souvent faite de petites égorgures, de brûlures légères ou d'irritations, mieux vaut avoir un tube d'homéoplasmine à la maison. Homéoplasmine, recommandé pour la vie de tous les jours. Homéoplasmine est un médicament. Perrette et la bouteille de Brie d'Hélice. Gourmande et courvêtue, Perrette s'en allait chercher de la Brie d'Hélice UHT en bouteille. Quelle merveille, à savourer quand bon lui plaît. Brie d'Hélice, une envie, un délice. La paire prépare vos volets pour qu'ils s'emboîtent du premier coup. Savez-vous pourquoi j'ai toujours une boîte de tic-tac sur moi ? C'est simple, un petit tic-tac rafraîchit longtemps mon haleine. En plus, un tic-tac a seulement 2 calories. Alors, avec seulement 2 calories, beaucoup de fraîcheur tic-tac. C'est simple, non ? Tic-tac, beaucoup de fraîcheur et seulement 2 calories. Pour gagner, certains se servent de leurs jambes, d'autres de leurs bras. Nous, ce qu'on vous propose, c'est encore plus fort. C'est un jeu, et c'est dans votre tête que cela se passe. Un jeu où ce qui est primordial, c'est la rapidité d'esprit et la puissance de l'imagination. Ce jeu, c'est Magic l'Assemblée. Et pour y jouer, ce qu'il faut, c'est un jeu de cartes, de la matière grise et un adversaire. Fièvre, frisson, courbature. Et d'agrippaux ? Dès les premiers symptômes, réagissez. Et ta grippe ? Aussitôt Ocilo. Ocilococcinum est un médicament homéopathique. Une soirée de rêve. Luc Perry sonnerait chez moi. Il serait tout en cuir. Il serait venu à moto. Il serait venu pour me livrer la Sicilienne de Pizza Hut. La seule pizza avec de l'origan, de l'ail et du basilic dans sa pâte. Et ça lui donne un goût irrésistible. Puis il me laisserait seule. Salut ! Avec mes amis. La Sicilienne de Pizza Hut. Sentez l'origan, l'ail et le basilic de sa pâte. Savourez son goût irrésistible. Avec le nouveau forfait intégral Bouygues Télécom, 175 francs, 2 heures d'appel partout en France. Le téléphone est compris. Désormais, plus rien ne vous retient. Bouygues Télécom, téléphoner devient un sixième sens. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un éléphant. C'est quoi ça ? C'est un crocodile. Hein ? Crocodile. Oui. Le crocodile, ça mord. Et ça, une ? Une maison. Un avion. Et ça, c'est une ? Kangourou. Non, ça tu sais. Kangourou. S'il y a une manière simple de voir la vie. C'est quoi, c'est une ? Kangourou. Il y a sûrement une manière simple de concevoir l'automobile. Kangourou.
Kangoo, c'est tout simple et ça va tout changer. Kangoo est à partir de 69 000 francs. Ne vous mettez plus dans tous vos états. Réagissez à la nervosité. Sédatif PC est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Sédatif PC, prenez la vie du bon côté. C'est bon ça. C'est le fun. Très fun. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il s'agit de plantes à fin. Oh, plantes à fin, ça c'est bien. Le fin du fin, c'est plantes à fin. Durant-en, coupons court à la fatigue. Ceci est un médicament réservé à l'adulte. I feel it in my finger. I feel it in my toe. Love is all around me. And so the feeling grows. Le principe du mariage à l'anglaise, c'est tout simple. Tu verras, c'est rien. Tu n'as qu'à dire oui à chaque fois qu'on te pose une question. Oui. 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 Vous aussi, demain à 20h45, dites 4 fois oui sur M6. Ocylocoxinum est un médicament homéopathique. Crédit Immobilier de France. Devenir propriétaire avec nous, vous pouvez. Il n'y a pas que le riz et les pâtes dans la vie. Il y a Evli. Evli, ce sont de savoureux grains de blé. Evli apporte un tiers des besoins journaliers en vitamine PP essentielle à la croissance. Vous n'êtes pas convaincu? Essayez Evli. Ça vaut tous les blabla. Les hommes et les femmes réaliseront ce miracle. La CNP sera là, à leur côté, comme elle l'est depuis 150 ans. CNP, vivez bien assuré. RTL présente Andrea Bocelli, l'album classique. Vous connaissez déjà la voix magique d'Andrea Bocelli. Retrouvez-le interprétant tous les plus grands airs de musique classique. L'album classique d'Andrea Bocelli. Tous vos airs préférés de musique classique. Les laboratoires de Roche ont élaboré Supradyne. Chaque comprimé de Supradyne contient une sélection de vitamines et de minéraux pour lutter contre la fatigue. Pour que vous puissiez, même si la barre est haute, rester à la hauteur, un comprimé par jour. Supradyne, des laboratoires de Roche. Supradyne est un médicament réservé à l'adulte et aux plus de 15 ans. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Chez les opticiens Atoll, pour l'achat de lunettes à verre progressif Atoll, la deuxième paire est gratuite. Voilà au moins un cadeau qui vous servira. Du haut d'Atoll, la deuxième paire, c'est utile et c'est gratuit. Les taches de crème et de confiture sur le blanc et sur la couleur, pas de problème. Avec mon nouveau Super Croix et son protecteur de couleur, mon blanc est blanc comme neige. Et nos couleurs sont lumineuses. Bravo
Supercroix, oui. Supercroix, un blanc éclatant, des couleurs respectées. Mordu du Big Mac, la chance vous sourit. Parce qu'un franc est un franc, McDonald's vous offre deux Big Mac pour 25 francs. Le nouveau collant patathlon de Golden Lady, masse, galbe, détend, affine, dessine la silhouette. Et le bonheur d'être une femme multiplié par 5. Patathlon de Golden Lady. Allô, bonjour. Pierre, 32 ans. Dessinateur projeteur intérimaire découvert par Vedior Bis. Vedior Bis travail temporaire a compris que pour une entreprise, la richesse humaine est la première des richesses. Vedior Bis. Faisons travailler les talents. Whistler 93, rupture des ligaments. Paul Gardelin 89, code cassé. Schladming 87, luxation du poignet. Ça, c'est mes cheveux, jamais un pépin. Eux aussi, ils ont trinqué. Le vent, la neige, le casque. Oui, mais je les ai super bien entraînés. Chaque matin, Tonic Petrolane, sa formule au complexe nutriactif et aux extraits végétaux, nourrit en massage le cuir chevelu. Bien enraciné, le cheveu y puise une force nouvelle. Enfin, la compète, tout ça, terminé. Et pour mes cheveux, je continue l'entraînement. Tonic Petrolane, une force à toute épreuve. Mesdames, messieurs, est-ce que vous préférez vraiment un animateur sur le retour, blasé, réactionnaire, aussi marrant qu'un discours de Khrouchtchev ? Ou un jeune con arriviste, avide, avec des dents à rayer le parquet, monté sur une pile électrique et aussi cultivé qu'un jardin potager de chez McDonald's ? Culture Pub, c'est maintenant sur M6. Confiez votre contrôle technique à Securitest. Vous avez une quarantaine de minutes à vous. Vous êtes détendu, parfaitement détendu. Vous êtes serein parce que vous êtes entre de bonnes mains. Securitest, le contrôle technique, faites-le sans vous en faire. Avec Jacques Vabre, découvrez la tradition turque. C'est vrai, ce café cave a bien le goût de nos cafés turcs. Il est étoffé, il est généreux. C'est comme nous, quoi. Et puisqu'on dit généreux, n'est-ce pas? Je ne peux pas quitter mes amis sans en prendre au moins un deuxième. Café Keif, le grand café de tradition turque de Jacques Vabre. Jacques Vabre, découvrez le monde du café. Les laboratoires de Roche ont élaboré Supradine. Chaque comprimé de Supradine contient une sélection de vitamines et de minéraux pour lutter contre la fatigue. Pour que vous puissiez, même si la barre est haute, rester à la hauteur, un comprimé par jour. Supradine, des laboratoires de Roche. Supradine est un médicament réservé à l'adulte et aux plus de 15 ans. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. L'eau pétillante d'Arby diffuse partout dans votre corps son magnésium et son calcium biodisponibles. Ainsi, en buvant l'eau d'Arby, vous apportez à votre corps ce dont il a besoin. L'eau d'Arvi, jusqu'au bout, elle se diffuse en vous. Barbe difficile, peau irritée. Menen invente la mousse Protex System. Trois fois plus dense qu'une mousse classique, elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Pour un rasage plus précis et un confort maximum.
Nouveau Mousse Protect System. Menen, pour nous les hommes. I am sitting on top of the world. I need some help. Hello, help me. Hello. Hey. Just rolling along. And I am quitting the blues of the world. Just singing a song. Pantalon Dockers, 100% coton, mais 0% repassage. Pour une fois qu'une invention américaine vous rend vraiment la vie plus facile. La trilogie Star Wars, l'édition spéciale en vidéo, avec de nouvelles scènes. Un nouveau son. Et de nouveaux effets spéciaux. La trilogie Star Wars, l'édition spéciale, en vidéo le 15 octobre. Dance Machine 13, la compilation avec Ultranaté, World Apart, Lavache, Mickey Mix, Frontierman, Domino, en vente le 14 octobre avec Fun Radio. Moving. Moving, votre corps est fait pour bouger. Moving, numéro 1 en France, 70 clubs de remise en forme. Force du chocolat Côte d'Or. Fièvre, frisson, courbature. Et d'agrippo? Dès les premiers symptômes, réagissez. Et d'agrippo? Aussitôt Ocilo. Ocilococcinum est un médicament homéopathique. Mais qu'est-ce qu'il fait ce taxi? Et toi, qu'est-ce que t'attends pour lui faire des appels de phare? Je veux des huîtres. Mais Minou! Je veux tes huîtres! Minou! Follement fruité, follement tendre, Folépi, une folle envie. Et maintenant, découvrez Folépi en petit. Je sais pas, chérie, c'est peut-être la couleur. Pas la chance d'avoir une cuisine Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Tous les sentiments passent par Internet, à condition d'avoir le mot de passe. Wanadoo. Internet par France Télécom. Nouvelle Volvo V40 T4, 200 chevaux de sécurité. Volvo 08 36 68 60 61. Mon premier serait le mariage de l'élégance. Superbe chapeau. Merci, je l'ai commandé pour l'occasion. Et du bon goût. Les alliances, s'il vous plaît. Mon deuxième, le mariage de l'humour anglais. Quelqu'un d'autre a marché dans une bouse de vache? Je ne voudrais pas passer à côté du grand amour pendant la réception pour une vulgaire odeur de merde. Et de l'éloquence. Pour pelouse légitime, pour épouse légitime. Tout est faux, tout à fait. Mon troisième, le mariage du tact. Vous êtes lesbienne? Oh, Jésus. Et de la discrétion. Non, c'est pas marrant comme ça. Je vois moi, je les petits maris. Mon quatrième, le mariage de la comédie et de l'amour. J'ai toujours eu peur d'aller trop loin. Dans le feu de l'action, on ne sait jamais. Trop loin, ça veut dire jusqu'à où, d'après vous? Peut-être comme ça. Et mon tout est la comédie incontournable des années 90. Quatre mariages et un enterrement, demain à 20h45 sur M6.
Un vrai lundi d'automne avec une bonne dose de grisaille et de fraîcheur sur l'ensemble du pays. Toutefois, le soleil fera de la résistance près de la Méditerranée où le vent atteindra encore 100 km à l'heure. Quelques averses sont cependant possibles sur l'extrême sud-est et la Corse. Partout ailleurs, les nuages domineront avec de la pluie, surtout des Pyrénées aux Alpes, et plutôt des averses et quelques éclaircies sur les autres régions. Le vent de nord-ouest n'atteindra plus que 50 à 60 km à l'heure sur les côtes de la Manche. Demain, le froid sera au rendez-vous, 4 à 14 degrés maximum au lever du jour contre 11 à 20 degrés l'après-midi. Mardi, retour d'éclaircies sur la moitié ouest. Mercredi, douceur et pluie reviennent par l'ouest. Jeudi et vendredi, enfin, temps pluvieux mais doux partout. Darty, le contrat de confiance. Verali, numéro 1 des ventes en Europe. Verali, le jeu de l'année sur PlayStation. Verali, soyez dans la course. Pour trouver les coordonnées téléphoniques... of a friend in the UK. En Europe comme aux États-Unis, 3617 pages I, l'annuaire international. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Vous avez déjà vu des déménageurs aussi à cheval sur la qualité? Moi, jamais. Demeco, premier groupe titulaire de la marque NF Service. Avant-hier, j'ai arrêté de fumer. Hier, j'ai arrêté d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, j'arrête. S'il vous plaît. C'est là. Voilà. Non, merci. Vous auriez du feu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ah ben non. Non. Tant pis. Ça vous dérange si je fume? Non, non, allez-y. Vous en voulez une? Ouais. Merci. Mais je la fumerai tout à l'heure parce que là, j'apprécie pas sinon. À la maison, s'il vous plaît. Alors, ça n'a pas été trop dur? Non, tu pars, j'y ai même pas pensé. Ah. La vie sans tabac, vous commencez quand? En parcourant la planète, nous sommes arrivés à une évidence. Dès que nous montrons tout ce que notre processeur Pentium 2 peut faire pour un PC, tout le monde se demande d'où ça sort. Sauf les enfants qui ont déjà tout compris. Faro, John Cassavetes, ça commence bien. Ce sera merveilleux. Papa, les couches, les biberons, les bouillies. Tu parles sérieusement? Voilà! Oh, ça, c'est tout à fait une bonne nouvelle. Et quand Polanski s'en mêle... ça devient un chef-d'œuvre de suspense. Rosemary's Baby, c'est jeudi à 22h40 sur M6. N'échapperez pas à la pub puisque s'ouvre la deuxième semaine de la publicité. Alors pour bien commencer ces 7 jours de réclame intensive, dégustez à fond ce numéro de Culture Pub dont voici le sommaire. 2200 milliards de francs, c'est l'incroyable somme que les fabricants américains de cigarettes s'apprêtent à payer pour que cesse la guerre avec les non-fumeurs. 160 millions de francophones dans le monde, 160 façons différentes de concevoir la publicité. La pub francophone entre en résistance contre la pensée unique américaine. Waouh ! Où tu vas chercher ça ? Et pour rester dans la francophonie, Planète Pub revisite cette semaine la pub en Afrique et au Québec. Regarde ! Ah !
Mais tout de suite, retour en France avec l'actualité de la semaine. Alors, bon, retour en France, pas vraiment, puisqu'en fait, nous allons partir à Prague pour découvrir les coulisses du tournage de la prochaine pub CGTL, qui, vous allez voir, nous a carrément offert du grand spectacle digne des années 80. Et puisqu'on parle des années 80, il faut saluer également le retour aux sources d'une marque cette semaine, c'est le loto. Le loto, il y a 20 ans, ils étaient obligés de faire un peu de pédagogie en nous apprenant à cocher le bon numéro. Et puis après, ils se sont mis à nous titiller sur l'appât du gain, le méga mago, le Jack, t'es mon pote. Et puis finalement, aujourd'hui, ben, ils reviennent à leur bonne vieille grille de lecture. Après nous avoir répété que cela n'arrive qu'aux autres et que 100% des gagnants avaient tenté leur chance, le loto change de stratégie. Aujourd'hui, il s'agit de fidéliser les clients qui ne jouaient qu'à l'occasion des grosses cagnottes, et pour cela, il faut réapprendre à jouer avec les chiffres. Deux, pareil. Deux. Un peu comme dans ce spot de 1984. Tiens, c'est pas Alexandra Cazan à droite ? Si, si, c'est elle. 19, ça va. Sauf qu'aujourd'hui, le loto se permet un poil de subversion. Regardez. Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Depuis que nous vous avons confié l'export, c'est la chute libre. Moins 12% sur l'Europe. Moins 24% sur le Moyen-Orient. Moins 37% sur les États-Unis. Et pour finir, moins 50% sur l'Australie. Moins 50, vous êtes sûr ? Oui, enfin 49. Ah, je préfère. Enfin, je veux dire, faut pas se tromper. C'est quand même beaucoup d'argent. Le loto, pour tous ceux qui aiment les chiffres, avec plein de zéros derrière. Badouma. C'est en pleine privatisation de France Télécom que CGTEL lance sa campagne sous forme de chorégraphie haute en couleur. C'est qu'à partir du 1er janvier 1998, on pourra choisir d'autres opérateurs téléphoniques et CGTEL espère bien avoir sa part du gâteau. L'enjeu est de taille. Chaque année, les Français passent 110 milliards de minutes au téléphone et dépensent 70 milliards de francs. CGTEL. Les moyens mis en œuvre pour ce spot sont à la hauteur de l'enjeu. Le tournage s'est déroulé pendant 10 jours à Prague sur des plateaux de 3000 mètres carrés. Comme pour les chorégraphies du spot, tout est millimétré au détail près. On repeint l'herbe si elle n'est pas assez verte, on cloue, on déplace et on recloue les arbres sous l'œil vigilant de Roland Joffé, réalisateur des films Mission et La Déchirure. Il pousse le souci de la perfection jusqu'à s'occuper lui-même de la composition florale. Là, c'est lui que vous voyez avec un bouquet de roses à la main. C'est le détail qui est très important parce que dans cette petite goutte d'image, cette petite goutte de lumière qu'on a, il faut que ça soit vraiment, vraiment comme il faut. Et même pour pousser les choses pour que l'atmosphère reste chaud. Il faut qu'on participe partout. Joffé le perfectionniste s'est essayé un nouveau genre, la comédie musicale, en dirigeant quelques 150 comédiens et danseurs recrutés dans les ballets et compagnies de théâtre tchèque. Mais le tournage n'est pas tout. Le spot est une succession d'images et de prises de vue réincrustées grâce aux flemmes et à la palette graphique. Je peux bouger un peu, Edita ? Pour obtenir cette image, il a fallu plus de 300 heures passées devant les écrans d'ordinateur. Et devinez qui était derrière les quatre graphistes qui ont travaillé pendant 3 semaines à la post-production ? Roland Joffé lui-même. C'est ce qu'on appelle suivre son bébé jusqu'à l'accouchement final. Badouma. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. C'était les box tops, c'était de l'éther, c'était il y a 30 ans. Voilà comment Eurostar se vend au public français, ou plutôt au cœur de cible, les quadras nostalgiques des 60s qui se disaient à nous les petites anglaises. Et en parlant de quadras, I said let's go by Eurostar. Quand Eurostar veut séduire les anglais, ils utilisent l'image du French Lover. Et c'est tout aussi pop. Dans la famille des sprinteurs, on connaissait le pneu avec Marie-Jo, ou la carte de crédit avec Ben Johnson, ou bien encore la belle bagnole avec Carl Lewis. Voici maintenant Gaël Divers, championne olympique du 100 mètres haies. Et pour quel produit ? Vous verrez ça tout à l'heure. Dans ce spot, réalisé par Tarsem, le réalisateur publicitaire du moment, elle incarne la femme moderne pour qui le quotidien est un véritable saut d'obstacle. Alors le produit, vous l'avez trouvé ? Vous avez encore 10 secondes. Élasticité, galbe, finesse. Tout ça n'est rien si vous devez filer vos collants en les mettant. Ouais, bah la Miss, elle a quand même filé 2 paires de collants pendant le tournage.
Au moment où en France apparaît une nouvelle campagne destinée à aider les fumeurs qui ont décidé d'arrêter, les Américains, eux, ils en sont carrément à la guerre nucléaire. Parce que pour les Américains, les fabricants de clubs, c'est carrément des menteurs, des pollueurs, des empoisonneurs, bref, de véritables salopards. D'ailleurs, les cigarettiers croulent sous les menaces, sous les insultes, le boycott, les procès. Alors, pour stopper l'escalade, ils ont décidé de proposer à leur adversaire de fumer le calumet de la paix. Un calumet qui va leur coûter cher, puisque les fabricants de cigarettes vont devoir verser 2200 milliards de francs pendant 25 ans pour être tranquilles. Normalement, ces sommes sont destinées à financer des campagnes de prévention. Et qui va faire les campagnes de prévention? Les publicitaires, les mêmes qui, avant, faisaient la retape pour le tabac. Comme quoi, l'argent du tabac part jamais vraiment en fumée. Badou. Finally, time to quit. If it hasn't happened for you yet, it will. Ah, les temps bien changés au pays du cowboy Marlboro. This is how the guys who make cigarettes want you to see them. This is how they see you. Aujourd'hui, la bataille fait rage entre les États américains et Big Tobacco. Big Tobacco, c'est le surnom donné aux puissants industriels du tabac. If you knew what they thought, you'd think twice. À ce jour, sur les 50 États américains, 40 ont déjà engagé des poursuites contre l'industrie de la cigarette. They're saying that... Étant donné que le tabac est la cause de nombreux cancers et d'accidents cardiaques, les gouvernements des États estiment que les contribuables donnent beaucoup d'argent pour les dépenses de santé et ils veulent que les industriels du tabac leur remboursent cet argent. Les industriels de la cigarette sont sur le point de conclure un armistice avec les anti-tabac. Le prix de cet armistice, 2200 milliards de francs que Big Tobacco devra verser aux États américains. Big Tobacco veut parvenir à un accord global. Afin de se débarrasser de toutes les poursuites judiciaires, les industriels de la cigarette sont prêts à payer cette somme énorme pour être à l'abri de procès pendant 25 ans. En attendant, les États américains financent les campagnes anti-tabac. Leur stratégie est de plus en plus offensive. Ils montrent du doigt les fabricants des cigarettes. Ils leur reprochent de cibler les jeunes et de mentir sur le danger de la tabagie. I had my first cigarette when I was 13. They say nicotine isn't addictive. How can they say that? En juillet dernier, le puissant lobby anti-tabac a marqué des points le jour où le président de Philip Morris, leader mondial de la cigarette, a finalement accepté de répondre à la question. Un Américain est-il déjà mort à cause des cigarettes? I think there's a fair chance one would have, yes, might have. How about 1,000? Might have. 100,000? Who might have? We have to sell cigarettes to your kids. We need 500,000 new smokers a year just to stay in business. On sait que 90% des nouveaux fumeurs sont des enfants ou des adolescents. Alors, les enfants sont-ils une cible privilégiée pour renouveler la clientèle? Absolutely not. Les enfants sont désormais la priorité numéro un dans la bataille menée par les anti-tabac. Le personnage de Joe Camel en est la dernière victime et il vient d'être supprimé. I think most people in the industry... Je pense que pratiquement tous les publicitaires était d'accord pour dire qu'un personnage aussi pittoresque et sympathique que Joe Camel avait été créé dans le seul but de rendre la marque séduisante aux yeux des jeunes générations. Du coup, le chameau a été remplacé par des images destinées à séduire les vieux. Et malgré les procès, les industriels de tabac ne désarment pas. Aux États-Unis, ils dépensent 6 milliards de dollars par an en publicité. Ils n'ont plus le droit ni à la télé ni à la radio, mais ils trouvent toujours des endroits pour se montrer. Aujourd'hui, les points de vente deviennent de plus en plus importants pour la pub. On dépense énormément d'argent en affichettes et en présentoirs sur les lieux de vente. Voilà donc à quoi va bientôt ressembler la pub pour les cigarettes. Des logos. Thank you.
Yeah.